Bonjour les petits loups, dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser un diagramme objet-interaction que l'on appelle aussi DOI. Alors un DOI est une modélisation qui permet de représenter l'ensemble des interactions entre un objet choisi comme objet d'étude, que l'on appelle aussi système étudié, et son environnement, c'est-à-dire les autres objets ou systèmes avec lesquels il est en interaction. Appliquons ceci à un petit exemple et prenons pour cela le cas du voilier que tu vois ici avancer. L'objet d'étude est le voilier, donc on écrit voilier dans un ovale et on le place au centre. Puis on se pose la question, avec quels autres objets ce voilier est-il en interaction? Eh bien tout d'abord, comme pour tout objet sur Terre et dans le champ gravitationnel terrestre, le voilier est en interaction avec la Terre. Il est aussi en interaction avec l'eau sur laquelle il se déplace. Et enfin, il est en interaction avec le vent grâce auquel il peut avancer. Qualifions à présent ces interactions. La Terre ne touche pas le voilier, donc l'interaction est une interaction à distance. L'eau est en contact avec la coque du voilier, donc l'interaction est une interaction de contact. Le vent touche les voiles, car c'est en s'y engouffrant qu'il permet le mouvement du voilier. L'interaction est donc une interaction, là aussi, de contact. Voilà, n'hésite pas à t'abonner et consulter les autres vidéos sur les actions mécaniques, notamment sur les DOI d'autres systèmes.